à partir du mois de janvier, on lance un réseau social de nouvelle génération, qui est un réseau universel. On lance le couteau suisse de tous les réseaux sociaux en une seule plateforme, universelle, à destination d'abord européenne, puis après internationale, qui va rassembler les gens autour des centres d'intérêt. Nous, on a vraiment pris une philosophie de développer un système qui est libre, qui est universel, de l'open source. Donc, si vous préférez, on ne réinvente pas le réseau social, on le perfectionne. On améliore la plateforme qu'en apportant ce qui existe déjà à travers les réseaux sociaux, en enlevant ce qui est mauvais comme la revente de données et en mettant tout dans une seule plateforme. Mais la différence, c'est que ça reste du but non lucratif et la protection des données, c'est le cœur de Glaze. Chaque personne va sectionner ses centres d'intérêt, soit pro, soit perso. Et une fois que vous êtes inscrit en finale sur Glaze, vous allez pouvoir vous mettre en rapport avec les personnes que vous désirez rencontrer selon votre géolocalisation. Donc demain, imaginez, vous êtes dans le business et vous voulez prospecter de manière ciblée vos futurs clients, ou demain vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer d'autres célibataires. Vous voulez, demain, vous êtes une association, trouver des bénévoles ou trouver des fonds pour vos bénévoles ou votre association, en une fraction de seconde, ça permet de se mettre en rapport avec les bons interlocuteurs. Humanis est un groupe de protection sociale qui est un acteur économique fort, notamment sur la partie économie sociale et solidaire dans le Nord. Dans ce cadre-là, le groupe cherche à créer du lien entre ses adhérents, ses retraités, rompre l'isolement. Quand Vivien, président de Glaze, est venu nous voir pour nous dire « voilà, je crée un réseau social avec l'idée de créer du lien entre ses membres », tout de suite il a pensé à nous et tout de suite ça a été pertinent qu'on se mette en lien pour travailler sur cette notion de réseau et de création de liens.